te rallume. Je sais pas pourquoi. Mais ouais, il y en a plein de ces petites truchettes encore là. Ouais, j'en mets une petite bande de pâte prot là. Je n'en ai plus beaucoup. De toute façon, je vais pas leur en mettre 4 kilos non plus. Hein. Il y a quelques grosses journées à tenir quoi avant le retour du pollen. Après, ce sera pour moi le gros nettoyage des nourrisseurs et compagnie. Avant l'hiver, je nettoie tout ça à fond. Je passe une journée, je nettoie que des nourrisseurs. Enfin, je nettoie tout. Voilà. Journée nettoyage, quoi. Voilà. Des fois, j'en profite des jours de pluie. Ça aide. Voilà, ça, c'est la problématique. Il n'y a pas de protéinés, hein. C'est que ça en fout de partout du plastique, donc là faut vraiment s'acharner pour récupérer. Bah celui-là il est pas mal celui-là. Il est déjà il est quand celui-là. Ah, bah, je ne sais plus. Pantoqué 5-8. Merde, j'ai pas l'historique. Je sais pas. Bon, ça c'est que j'ai pas l'historique. Bon, pas grave. On va juste. Ça bouge un peu par contre. C'est pas top. J'ai vérifié qu'elle a eu son traitement. Oh, très belle ponte. Ah, celui-là, faut se mettre sur la pâte prot, tu vois, par exemple. Hein. Mais la ponte au top, hein, elle fait ses réserves. Tout va bien. J'ai même peur que ça tienne pas. Ça pourrait tenir en ruchette, hein, en les laissant un peu enfermés là-dedans, mais bon. Première entrée de pollen sur l'amandier au printemps, et tu vois, donc je vais être obligé de faire ça à l'arrache. Bien envie de la foutre en ruche là. Ah, ça partir en 6-7, ça je le fais. Hein. C'est 8h moins 10, mais je le fais quoi. Hein. L'apéritif abstinence. Ouais, il m'en reste une, deux, pas beaucoup. Hein. Mais bon. On va faire avec. On va voir si c'est le piège à con ou pas. Ouais, c'est un peu. Ah non, tiens, celui-là est fixé. Le fond est fixé, tu vois, je me suis pas fait. Allez, je la bouge, hein. On parle plus. Ouais. C'est sûr qu'elle serait peut-être mieux à hiverner là-dedans, mais. Je t'ai dit, ça va être la course. La course au printemps. Et puis au printemps, il faudra que j'ai des ruchettes de vide aussi, donc. Donc là, on dit une partition, il y en a même deux, c'est la fête à neneu. Il y a des vieux cadres qui vont repartir pour nettoyage et cirage. Et alors, on n'a pas trop de place, on va s'en faire. Hop. Voilà, c'est la surpopulation, les gars. La surpopulation. Hop là. Allez. Voilà. Ça bougeote un peu. Hein. Je vais prendre mon traitement aussi après. Je vais le faire en même temps. Bon, tu l'as vu 100 fois, hein, transfert de ruchette en ruche. Hein. Tu n'as pas besoin que je te montre. Hein. Comme mon traitement il est top secret, je te coupe les sifflettes. Et à plus.